영상을 촬영하는 오늘은 6월 25일 한국전쟁이 일어난 지 71년이 되는 날인데요. 프랑스 파리에도 매년 오늘을 기념하는 행사가 열립니다. 한국전쟁에 지원한 프랑스 군인에 대한 이야기입니다. 파리 똥똥. So your friend today told me you do. La guerre de Corée, aujourd'hui nous sommes le 25 juin, c'est le début de la guerre de Corée. C'est le Nord communiste qui envahit la République de Corée. Et donc les Français sont très attachés à la démocratie, sont très attachés à la liberté. Et quand les soldats français ont vu que votre pays était envahi et qu'il risquait de perdre sa liberté pour une dictature, ils ont dit non. Et avec d'autres pays, comme vous le savez, 16 autres pays, ils sont venus se battre. Et c'est pour ça que c'est important. La liberté, elle se mérite. La liberté, elle se défend. Aujourd'hui, c'est en République de Corée, c'est le droit de vote. C'est une grande démocratie. C'est le pouvoir travailler. C'est pouvoir se marier, fonder une famille. C'est ça, la liberté. Et bien, cette liberté, les soldats français, aux côtés de leurs soldats, frères d'armes coréens, sont venus l'offrir à la Corée. Watch me in the water. Cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly turn. La guerre de Corée a été difficile pour tous les pays de l'ONU. Enfin, tous les 16 nations qui ont participé à la guerre de Corée ont vécu des choses très difficiles. Les Français aussi. Les Français, par exemple, à la bataille de Twin Tunnel, c'était des températures qui allaient à moins 30, paraît-il jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Les températures extrêmes. Un ennemi qui est très nombreux, fanatisé, tout ça faisait une guerre très difficile. Grâce à cette situation, nous avons continué à libérer. Merci beaucoup encore. Merci. Staring at the same spot on our bedroom wall. My head is hard, but my heart, it's getting harder. We need to let it go. We both know it's easier said than done. Letting our anger die with the setting sun. Pour vous remercier de votre mari qui a participé de la guerre de Corée. Grâce à votre mari, la Corée qui sont grands bénéfices. On a obtenu de la paix et liberté. Vous pouvez nous dire un mot? Alors, je vais vous dire. Mon mari, c'était donc Monsieur Raymond Bénard. Il est parti en Corée dans les tout premiers Français qui sont partis là-bas. En octobre 50. Et donc il avait 21 ans. Nous étions fiancés. Mais je l'ai vu partir parce que c'était un soldat. J'ai accepté parce que j'étais certaine qu'il reviendrait. Ouais. Donc ça a été effectivement dans sa vie une période très, très secrète dont il parlait très peu. Je sais qu'il a été un très bon soldat. Voilà. Et depuis, je suis très fière de voir les Coréens, la façon dont vous avez remonté votre pays, alors que mon mari l'a connu complètement détruit. Et lui était également admiratif devant la reconstruction rapide que vous avez faite. Et vous avez un pays qui est magnifique. Vous êtes un peuple très, très, très bien. Et vous pouvez tous, les femmes comme les hommes et comme les enfants, être extrêmement fiers d'être Coréens. Nous, nous sommes humblement vos amis, mais nous sommes très fiers aussi. C'est gentil. Je vous remercie encore de votre participation. J'ai vu un article, c'est votre mari, c'est la tombe qui est située dans Corée. Voilà, alors lorsque mon mari a su qu'il allait partir, parce qu'il le savait, il le sentait, il a exprimé le désir d'être enterré en terre coréenne. Et pour ça, il l'avait déjà prévu avant, sans en parler.
mais il avait fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'honneur d'être enterré à côté de ses camarades de combat. Et ça lui a été accordé. C'est un très très grand honneur. C'est aussi, pour moi personnellement, mis à part le grand honneur que... Voilà. C'est ma plus grande souffrance parce que après mes parents, c'est la personne que j'aimais le plus au monde. Et du fait qu'il est là-bas, je ne peux pas y aller souvent. D'abord parce que ma santé, malheureusement, n'est pas très bonne. Mais j'ai accepté. Mais moi, je n'ai plus ce contact de dire je veux aller lui parler. Au bout du temps, il faut que j'aille en Corée. La Corée est un petit peu loin. Pour moi, c'est quand même 90 ans. Donc, mais je ne regrette pas ce que j'ai dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'était son vœu, je l'ai respecté. Et je trouve que c'est très très bien. Même si c'est difficile pour moi. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci encore. Merci. En tout cas, n'oubliez pas, soyez fiers. Ouais. Soyez fiers parce que... vous êtes un peuple. Moi, je vous admire, vous êtes extraordinaire. Pas que vous, comme les... C'est vraiment... Mon mari le disait. Lui-même le disait. Et c'est vrai. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Soyez okay. toujours très fiers de votre origine. Origine, ok. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Dévasté par le bois, il n'y avait plus rien, les maisons cassées, etc. On y retourne, que l'on voit maintenant au niveau mondial. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait grand plaisir de voir comment la Corée a su monter grâce au courage de son peuple. Tous ceux qui sont retournés là-bas n'en revenaient pas en disant oh, la guerre, la Corée a augmenté. Je vous remercie beaucoup encore. Je vous en prie. La France, c'était de volontaires. Il y a des soldats volontaires. Et c'était pour quelle raison que vous participez de la guerre? C'était le bout du monde. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne connaissait pas. D'accord. On ne connaissait rien pour la Corée. D'accord. On est parti, je ne sais pas. Et après, on est arrivé à Suzanne. Merci beaucoup. Vous savez, la liberté, c'est une chose importante. Oui, très importante. Voilà, c'est tout qu'il faut voir. Oui, bien sûr. C'est tout. Nos parents, nos grands-parents se sont réfugiés de leur liberté. Nos parents aussi, donc c'était normal qu'ils le fassent pour nous. D'accord. C'est tout. Je vous remercie encore. Eh bien, je m'appelle Patrick Baudouin, je suis le président de l'Association nationale des anciens des forces françaises de l'ONU en Corée. Et l'Association nationale s'occupe de la culture, de l'esprit des soldats français qui sont partis se battre pour la liberté en Corée entre 1950 et 1953. Lorsque l'ONU a décidé d'intervenir, la France a répondu présent et a décidé l'envoi d'abord d'un bateau, la Biseau de la Grandière, et un bateau de guerre, et puis également d'un bataillon terrestre fort de 3421 soldats, qui étaient tous des volontaires, c'était des soldats volontaires, et encadrés par des officiers français naturellement, et commandés par le général Monclar, qui était un très grand général de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Et le bataillon français s'est battu, a débarqué à Busan en novembre 1950, il a été cantonné à Suwon, et puis il a été équipé par l'armée américaine à Daegu. Ensuite, il a ses premiers combats, c'est en janvier 1951, à la bataille de Wonju. Et puis il y a eu Twin Tunnel, Shipyongni, il y a eu les Puchaitul, les massacres de mai,
ce qu'on appelle les massacres de mai, la remontée vers Injé, le Punch Bowl, et puis la fameuse bataille de Crève-Cœur, Crève-Cœur ou Upbridge. Ensuite, ça c'était l'année 1951, l'année terrible, la guerre de mouvement. En 1952, le bataillon avec les autres, les soldats, eh bien, ont subi la guerre de position. Et nous avons par exemple la fameuse bataille d'Arrowhead. Ensuite, il y a eu 1953 et l'armistice. Et le bataillon a quitté la Corée en octobre 1953. Nous avons eu 268 morts au bataillon français. Et comme la France avait intégré des soldats coréens dans une compagnie de combat, eh bien, les frères d'armes coréens sont tombés au nom de 24. 24 rogues sont tombés aux côtés des soldats français. Et vous voyez ce monument qui est ici derrière moi, vous avez des noms. Ce sont les noms des soldats français tombés au champ d'honneur. Et là, vous avez à côté les soldats coréens qui sont inscrits ici. Vous avez ici les soldats coréens, les 24 soldats coréens morts au champ d'honneur au service de la France pour la liberté de la Corée. My head is hard. But my heart, it's getting harder. We need to let it go. We both know it's easier said than done. Letting our anger die with the setting sun. Our heads are hard. But our hearts, they're getting hard. We need to let it go. It seems